organisations médicales d'urgence et humanitaires. Vraiment, notre mission, c'est beaucoup plus les urgences médicales. Nous sommes vraiment réjouis qu'on a fait pas mal d'interventions pour répondre aux urgences médicales, non seulement de la RDC, mais beaucoup plus aussi au niveau de Sud Kivu. Et avec une très bonne collaboration avec le ministère de la Santé, on est arrivé à avoir des résultats palpables et qui nous a permis vraiment de répondre aux besoins médicaux, humanitaires de nos différents bénéficiaires sur le terrain. Il y a vraiment pas mal de difficultés que nous trouvons sur le terrain pour accéder à nos bénéficiaires. Et comme tu l'as dit, c'est aussi l'impraticabilité de la route. Pour nous, tant qu'on peut, on collabore avec la communauté pour avoir ou bien pour les aider à faire vraiment des petites activités pour qu'on puisse avoir l'accès. Parce que pour nous, aller à pied, utiliser la voiture, utiliser les bateaux, les canaux rapides ou pas, ce n'est pas un souci pour nous. Donc on peut utiliser tous les moyens possibles pour accéder à nos bénéficiaires. Donc les facteurs temps, c'est quelque chose qui pourrait nous aider à gagner au moins une vie de plus dans les délais. Il y a vraiment pas mal de besoins humanitaires dans la province, mais si je dois vraiment me focaliser sur la mission médicale des MSF, c'est beaucoup plus les épidémies auxquelles nous sommes en train de répondre dans les limites de nos moyens. Et c'est là aussi en fonction de nos critères d'intervention. Il y a aussi pas mal de déplacements des populations dans la plupart des zones de santé où nous sommes en train d'intervenir. Comme vous le savez, il y a aussi des catastrophes naturelles par-ci, par-là. Et avec nos critères d'intervention, c'est à nous de voir où est-ce que le besoin est plus aigu et c'est là où nous intervenons.